Bonjour, bonjour, on va commencer. Je vais demander, comme au royaume des cieux, au dernier de se mettre devant, au dernier arrivé. Je rappelle ce que je fais à chaque fois, ce que c'est la plupart des présents dans la salle, mais pas forcément tous les intervenants, même si on les prévient à l'origine, c'est-à-dire vous avez 4 minutes de temps de parole au départ. Pour vous exprimer, on peut dire beaucoup de choses en 4 minutes. Au bout de 4 minutes, vous êtes obligé de vous arrêter parce que j'ai mon calimero qui sonne. Donc vous êtes réellement minuté. Mais ensuite, vu que le sujet que nous allons aborder est quand même relativement vaste et assez central et essentiel, vous aurez toute latitude pour répondre aux questions qu'on vous posera et éventuellement compléter ce que vous n'aurez pu dire pendant votre intervention. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est l'économie de l'énergie, les nouveaux réseaux. On a eu le peak oil, qui était un événement ou pas un événement. En tout cas, on aura, et c'est assez clair pour tout le monde, on a eu un avant Fukushima et un après Fukushima. La plupart des candidats ou beaucoup de gens dissertent, écrivent et polémiquent énormément sur... la question énergétique sans que ce soit forcément très très limpide et compréhensible pour tout un chacun. Donc je vais commencer par monsieur Merlin avant je présenterai chacun des intervenants avant de lui passer la parole, mais je vous laisse le temps, je vous laisse 1 minute 30 pour réfléchir à ce que vous allez répondre à ma première question en 4 minutes. C'est-à-dire qu'on est passé d'une vision énergétique calée en France sur l'indépendance et massivement autour de la gestion électrique avec le nucléaire. Aujourd'hui, la question n'est pas tellement, si j'ai bien compris, de savoir si on arrête ou si on continue dans le nucléaire, mais comment on met en place une transition énergétique ou, pour aller un peu dans le sens sarkozyste qui n'aime pas le terme de transition énergétique, ou une réorganisation de la consommation et de la production d'énergie, quelle place pour l'Europe là-dedans, quelle vision, parce qu'on est face à un enjeu mondial, quelle place pour les territoires et quelle place pour les individus. Alors vous n'allez pas répondre à toutes ces questions, hein. Donc vous répondrez juste à la question du nucléaire et de l'électricité et de la construction de l'Europe de l'énergie. Et avant de vous passer la parole, Monsieur le Président, donc je vais présenter tout un chacun. Alors je vais vous présenter vous d'abord. André Merlin, polytechnicien de votre état, votre formation, me semble-t-il. C'était loin. Non, vous avez dirigé RTE, donc sur les infrastructures que vous avez créées pendant un certain nombre d'années. Vous êtes un grand défenseur de la construction européenne de l'énergie. Aujourd'hui, vous êtes président du Conseil international des grands réseaux électriques, président de l'Association supérieure d'électricité. Je crois qu'il y a un supélec qui traîne dans la salle. Président des conseils de surveillance de RTE et ERDF, position qui doit être très simple à gérer, et président de Medgrid. Ensuite, c'est pas par ordre d'intervention, nous entendrons M. Wolfram Vogel. Alors lui, c'est le libéral européen de l'histoire, parce qu'il est chargé au sein d'EPEXPOT, qui est une structure franco-allemande, de gérer l'alimentation et la redistribution électrique par la bourse. Michel Derdevé, alors auteur de nombreux ouvrages, là on en a pris un très vieux, mais il y en a un qui vient de sortir, alors je l'avais sous le nez tout à l'heure, mais j'ai perdu le titre. Non, c'est pas l'Europe en panne d'énergie, c'est l'avenir énergétique, voilà, carte sur table. C'est la crise. Mais voilà, mais en tout cas, Michel dirige la communication de RTE depuis un certain nombre d'années également. Je crois que tu as commencé avec André Merlin, me semble-t-il. C'est pour ça que vous vous êtes mis à côté. Et voilà, en tout cas, tu fais œuvre de pédagogie en matière d'énergie électrique. Je précise parce que Didier Lenoir ne veut pas parler d'électricité du tout depuis un petit paquet de temps. Et donc, tes deux derniers ouvrages sont L'Europe en panne d'énergie chez Descartes, et celui qui vient de sortir, L'avenir énergétique, carte sur table, chez Gallimard.
tu aurais pu choisir une autre maison d'édition quand même. Ensuite, Arnaud Gossement. Alors, vous êtes avocat de votre État et vous êtes spécialisé en droit public et en droit de l'environnement. Et si j'ai bien compris, vous défendez les petits contre les gros et vous essayez de faire de la pédagogie pour qu'on comprenne que le marché de l'électricité est un marché ouvert. Pas tout à fait. D'accord. Vous nous direz ça plus tard. Et enfin, monsieur Didier Lenoir, mais ce n'est pas vous qui interviendrez en dernier. Vous êtes un spécialiste des énergies renouvelables. Vous avez écrit, c'est en 2007, à l'époque de l'élection de Sarko, Énergie changeant de cap. Et donc, vous militez pour repenser la façon dont on appréhende et on aborde les questions énergétiques aujourd'hui. Oui, non, peut-être. OK.